Salut tout le monde! Salut Marie, comment ça va? J'espère que ça a marché, ça fait là, ça a pas chier. Ça a super bien fonctionné, notre premier live. On a déjà 25 personnes. OK. Countdown a marché, tout a fonctionné. On est là. OK, j'étais fou stressée parce que t'as dit on va mettre un décompte, puis là, je suis ah, non, ça va chier. Ouais. Non, on a bien réussi. OK. Ah, cool! On a Isabelle, on a Valérie, on a Kim. Hey, notre poule Kim, ambassadrice, Brigitte, Caroline, Joey Thériault! Hey Comment my God, Joey ça Barcelac, comment ça va? Il est où notre cure-dent? va? Tabarnache! Joey Thériault! Hey! On est-tu chanceuse de l'avoir parmi nous? Le Bon, centre Lynn, de oui. Paris! Le premier cas qu'elle se branchait à soir. Mais Joey, c'est un coq branché, hein? Il fait des maudites belles stories. Des Il fois, il fait me des dit. fiches belles photos puis des belles pêches. Ouais, c'est tout du Ouais. catch and release. Ouais, il y a juste sa femme qui a gardé. La chanceuse. Ah, il dit que Mais c'est flou. Les filles, dites-nous si vous voyez bien notre image, si vous nous envoyez, si nous voyez bien et nous entendez bien. c'est normal si c'est flou, hein, Karine, c'est pour cacher nos faces. Ah, oh, c'est des filtres. C'est ça, on devrait se mettre un fil coconut, Marie. Yeah! Puis en plus, c'est un spécial sous-vêtements ce soir, Karine. Oui. Pas n'importe lesquels, on vous en parle plus tard. Hey, on Hey, est une gang, on est déjà 50, Marie. Wow! il y a ta soeur. Hey, il y a ta soeur Christelle qui est branchée. C'est... Salut la soeur! Allô, ma soeur, je l'ai pas vue. J'ai Moi, pas vu j'ai vu, passer. elle s'est branchée, j'ai vu passer très rapidement. Ah! Hey, on a-tu des coques à part jouer? Parce que c'est le sol de basse-cour, ça ira pas bien tantôt. On Allô n'ira à pas mes au sœurs soccer. qui m'écoutent, mes bébés sœurs. Tes deux sont là? Oui, Isabelle et Christelle. Ben, tabarnak. Double trouble. C'est des jumelles. Elles sont tellement belles. Bon, moi, je vais publier sur la page Marilyn parce que, hein, c'est dingue, hein? Ben, je vais inviter mes amis. Fait que je vous invite, les filles, à publier le live parmi vos amis. On Ouais. va faire un beau tirage après la présentation de nos deux ambassadrices qui va être Kéliane Durand et Josée Morin. Alors, on a deux poules qui vont se présenter. On a vraiment une belle qualité d'ambassadrice, hein, Karine, puis Ouais. on est bien contents de les présenter. Écoute, si vous êtes contente d'être avec nous autres, faites-nous donc un j'aime, un cœur. Comment vous vous sentez? Excitée? Énervé, patché. Moi, On va. je suis patchée. C'est Bon, dans OK, le mot on de la regarde chasse. ça pour la semaine prochaine. On s'en va à la chasse, Marie, à l'Orignal. Oui, je sais. Hey, t'as mis ce quota. Ouais, j'ai vraiment hâte, je suis stressée. Ah, merci à Joey qui nous a écrit Tabaslac. Oh, voilà, je te reconnais. Et Yes! voilà. Je te trouvais mou, Joey, dans ton introduction. Éric Bellumeur, on a deux gars. On a Josée Deux Leclerc qui était venue arrivés. avec nous autres dans une sortie. Josée Leclerc, salut! On est une Bon, belle gang, Karine, on est 65. tabarnache. Karine, toi, tu es arrivée de la chasse, ça fait pas longtemps. Ouais, mais moi, je suis dans la 10 ouest, pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui le savent, ben, je vous leur dis. Puis, dans la 10 ouest, on a la possibilité, comme dans certaines autres zones, de récolter une femelle mature à l'arc. Puis moi, étant donné que je fais majoritairement mes chasses à l'arc, cette année, j'avais pour objectif de récolter une belle femelle. Donc, je me suis pratiquée, je me suis pratiquée. J'ai regardé mon secteur, tout ça. Puis dans notre cheptel, on a un haut taux de femelles. Donc, ça n'a pas été super long. J'ai fait ajuster mon arc parce que je me suis blessée au dos. J'ai fait ajuster la tension de mon arc avec pression archerie. Puis, on est allé s'installer à 4 heures, à 3 heures. 4 h 30, on a fini de s'installer dans le tri-stand, installer les caméras, puis tout ça parce que ça a été filmé. Puis, 1 h 30 après, ma femelle, ma femelle est sortie. Je Il y a l'ai toujours vue un nom, arriver. Oui, non? je l'ai vue arriver en arrière des arbres, délicatement. Puis là, elle est venue s'installer. Je me suis assurée qu'il n'y avait pas de bébé avec elle. Puis, une belle grosse femelle. Je l'ai regardée un bon 15-20 minutes. Puis, j'ai dit à Dan, c'est elle la chanceuse. Fait que j'ai un beau tir à 18 mètres. Ça a super bien été.
Ça n'a pas fait loin, là. Elle a fait à peu près 200 pieds. Puis, c'est ça, une belle femelle. Puis, je voulais dire aussi, il y a plusieurs filles, suite à l'annonce de ma femelle, Marie, qui m'ont écrit, parce qu'il y a beaucoup de tabous sur le fait de récolter une femelle. Tu sais, on voit tout le temps, « Ah, oh, je veux le gros boc, je veux le gros rack. Ouais. J'aime les gros racks. » Des trophées, comme on dit, nous autres, au lac. Ouais. Mais des fois, tu sais, c'est important aussi de regarder son cheptel. Puis de faire une bonne gestion aussi. Puis il n'y a pas de honte. Puis il y a plusieurs filles, suite à mon annonce, qui étaient plus confiantes de mentionner aussi, puis qui étaient moins gênées de dire, « Hey, regarde, moi aussi, j'ai récolté ma femelle, puis je suis fière. » Puis les filles, on travaille fort pour ça. Puis, tu sais, plusieurs comme moi, tu sais, on est des mamans. Le temps, c'est pas toujours facile. C'est difficile. Puis soyez fiers, que ce soit une femelle, que... Soyez fiers. Vous avez travaillé fort, puis on est hot. Ben moi, je suis fière de toi, ma belle Karine, parce que tu as fait ça assez rapidement. Puis on va-tu avoir la chance d'avoir ton extrait de vidéo à un moment donné? Oui, ben là, ils vont faire le montage, puis tout ça, puis oh, crotte de chat, Marie. Dis-moi pas que vous n'avez pas décollé la caméra, je suis capable. Non, non, écoute. Mais mon angle de caméra, je ressemble à un petit rôti de porc, comprends-tu? Un peu comme quand on était bien en combine. Un peu, exactement. Fait que quand ma chevreuil était là, était placée, elle mangeait. Quand j'ai arrivé pour me placer dans mon stand, c'est les stands, des super bons stands, mais tu sais, en métal, puis ma botte, il mouille à Sio. Non, pas à Sio. C'est vrai qu'il mouille à Sio, c'est en fin de semaine-là. Il mouille. Fait que là, je me place dans moi, ma botte, elle fait « Quoi? » Là, regarde. Je suis comme ça, de stand-by, je bouge plus. À peu près 2 minutes, quand elle s'est remise à manger, j'étais comme... Je me suis étirée. Mais là, j'avais mon cache-cou, ma tuque, mon chapeau. Je ne chantais pas, parce que c'est important d'avoir ton point d'appui. Là, je ne chantais pas mon accoudoir. J'étais comme, oh my God. Fait que je l'ai eu. La pratique, important, la pratique. Bien, c'est ça, on le dit souvent, la pratique, connaître aussi son arme, connaître les distances, ouais. Connaître la flèche, comment est-ce qu'elle va loin. Ouais. C'est bien beau se pratiquer, mais il faut vraiment là, être sûr à 100% aussi de où ce qu'on tire et tout. Ouais. Hey, félicitations, Karine, j'ai hâte de voir cette vidéo-là. Puis, ben moi, j'ai pas été à chasse au chevreuil l'année passée, j'avais fait une tentative dans zone 10. Ça n'avait pas été formé, on avait j'ai eu ça. Juste... Ben, on avait juste des femelles. Fait qu'on ne pouvait pas à la carabine. En tout cas, fait qu'on ne pouvait pas. Fait que, c'était juste une observation. C'était bien plaisant. Puis, ce que je voulais dire, cette année, ben, l'orignal l'année passée, pour moi, n'a pas été un succès non plus. J'ai vu un gros orignal, mais je trouvais que la visibilité puis le point d'entrée était trop insécure pour essayer de faire un tir. Parce que, tu sais, c'est bien beau... blesser un animal, mais c'est de courir après, puis si on le perd, puis en tout cas, c'est pas correct, fait que j'ai déjà autant pas tiré que de la rater. Notre shot. C'est ça. Moi, si je suis pas sûre à 100%, puis comme on se dit, on se parle avant d'aller à la chasse, est-ce que ça va être une femelle, un veau, un mâle, un boc, tu sais, puis il y en a plusieurs qui disent, je veux garder mon gros boc, puis j'ai plein de femelles, tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut connaître notre territoire, tout ça, puis c'est vrai qu'il y en a qui jugent beaucoup les autres, mais ils connaissent pas la situation de la personne. L'attaque a été, l'observation et tout. C'est sûr, facile à juger, mais bon, en tout cas, c'est l'humain. Puis moi, j'ai fait la chasse à la sauvagine la semaine passée à l'île verte avec Simon-Pierre Lavigne service de guide SPL, mon ami Simon-Pierre. L'année passée, j'étais allée au Canard de mer, Outarde. J'étais allée à l'Oie aussi. Yes, au printemps. Puis là, j'ai répété l'expérience à l'Outarde. Il faisait tellement beau, il faisait tellement chaud, il fallait tout le temps s'enlever des couches. Puis finalement, j'ai fini justement avec une sous-couche de vêtements parce que là, il faisait 15-16 facilement. Puis il était à 8 heures le matin. Un beau quota, puis à 9 heures, on était tout parti. On fait des belles chasses avec Simon-Pierre. On fait vraiment des belles chasses avec Simon-Pierre. Puis les filles, ils me disent souvent, « Ah, oh, j'aimerais ça faire ça, c'est ma chasse de rêve, mais je ne suis pas prête. Il faudrait que je me pratique mes tirs, puis tout ça. » Les filles, se pratiquer des tirs sur des pigeons d'argile, ce n'est pas une affaire que d'aller directement à vrai aussi. Fait que je vous parce conseille que les pigeons d'argile, on sait où est-ce qu'il va. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, l'oie ou l'outarde, quand ils descendent, là, ils peuvent descendre par en arrière comme ça, en avant. Fait que, tu sais, t'arrives, tu sors de la cache, puis c'est comme une surprise. Il faut que tu sois prêt à t'ajuster pareil. Fait que, je vous dis aux filles,
même ça sera bien mieux de pratiquer sur le fait comme ça. Ça vous donne aussi votre à l'aise, puis comment tirer, puis comment être en gang aussi, chasser en gang. Quand ouais. t'es 5-6 à une cache, là, il faut vraiment que tu apprennes à chasser en gang. Si mon pied est très sécuritaire, il explique. Si on dit que tel bord, c'est de tel bord à tel bord, ça, c'est jamais dans le milieu, tu sais, il explique tout ça. Puis moi, c'est à chaque personne, tu sais, ton territoire de tir. Pour pas que tu tires dans la face de l'autre, tu sais, parce que t'étais 90 par l'autre bord. Fait que ça, j'ai dit au fait. C'est toujours agréable quand on est gaucher, moi, puis qu'on a une droitière. Toi, les cartouches dans la face du reload, c'est toujours agréable, tes cas. T'en as mangé une coupe, hein, ce printemps? Ouais, ouais, ouais. C'était le bonheur, le bonheur. Un peu plus, je m'avais mis un full face. Ouais, c'est ça. C'est se faire bombarder de cartouches, c'était un plus. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Fait que les filles, gênez-vous pas. Attendez pas de faire un cours là-dessus. Direct sur le terrain. Moi, je suis une fille de terrain. Je vois sur le terrain. Puis là, on s'en va à l'ornière dans pas longtemps. Non, contre les dodos. Avec Denis Rossignol, donc ouais, toi et moi, on va faire un trip. Ça a l'air que dans zone 2, il y a du gros. Fait que on va essayer de viser un trophée, hein? On y va pour le gros. Ouais, on va espérer. Mais en tout cas, j'ai bien hâte, là. Je compte les dodos. Sérieusement, je suis toute excitée. Il y en a on parlait de chasse à l'orignal, on n'a pas une ambassadrice qui arrive de là? Oui, Kéliane Durand, notre poule ambassadrice de la section. Sexe conseil. Alors, ma sexe conseil. Wouh! Ce soir. Donc, fait que tu arrives de la chasse, ça fait longtemps que tu chasses. Après, tu peux nous faire un petit melting pot de tes chasses, puis ta dernière expérience ici dans la zone 28 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'est raté l'année passée, on était ensemble, puis on n'a pas eu de chance non plus. Puis tu vas nous expliquer un peu ton parcours dans Poule des Bois. Puis Kéliane est de la Naudière. Oui. Bon, ben en fait, oui, ça fait longtemps que je chasse l'orignal depuis toute jeune avec mon père. Puis honnêtement, je suis vraiment là pour supporter tous ceux à qui que ces temps-ci ont un peu de désespoir, mais j'ai jamais récolté moi-même. Mon père a récolté, mes oncles, mon cousin, j'ai toujours été avec eux, mais moi, même, j'ai jamais vu quelqu'un récolter, jamais été du moins avec cette personne-là. Fait que c'est la persévérance, elle est vraiment là, la passion est vraiment là, mais on espère à chaque année, mais une autre année encore bredouille pour moi cette année. On est allé à Pourvoirie, au lac Saint-Jean, à Saint-Cloud-Gilles-Milo. Puis, on avait de l'air pour avoir de l'orignal, il y avait de l'orignal, là, mais on n'a pas récolté, mais on sort de là avec des belles expériences, puis une autre année de plus à mettre dans mon carnet. T'as-tu le même genre de température qu'on a eu l'année passée? L'année passée, ça a été du gros vent, de la grosse pluie, de la grosse chaleur. Moi puis Sandra Fortin, on était avec Eliane, puis deux Ontariennes dans notre équipe, c'est drôle, c'est un gros mix. Moi, Sandra, on s'est ramassé en brassière dans son par dos sort. C'était de toute beauté. Je me suis dit, my God, j'ai dû répéter l'histoire. Je pense qu'on va faire des selfies, on n'avait pas fait. Ben, on n'a pas eu de pluie, zéro pluie à part la journée qu'on a. My God, j'ai dû répéter l'histoire. J'essaie de partager le live. Ah, moi, c'est fait. J'ai baissé mon son de cellulaire et j'ai partagé ça. Fait que, cette année, la température était belle pour nous, les chasseurs, mais pas belle pour être avantageuse, comme on pourrait dire, pour l'orignal. Il a fait, je dirais, moins 5 la nuit, 2 nuits. Sinon, il n'était pas 10 heures qu'il nous restait juste à peine la sous-couche sur le corps pour finir la chasse. Juste en petit coton été, là, il a fait vraiment trop chaud tant qu'à moi. Hein. C'est ça. On a eu des drôles de température les deux dernières semaines. Là, c'était comme hors norme. Puis encore cette semaine, on annonce du beau temps. Là. Mais mes sympathies à ceux qui chassent présentement, qui chassent juste en sous-vêtements, finalement. Hein. J'ai vu Donald Garreau en chess. C'est mon chum, il a pogné un couteau. C'est toujours agréable, ça. En tout cas, merci Donald. Cochon. Il faut pas les couteaux à la chasse et pas à la pêche. Là. Ben c'est ça. On aimerait ça la chaleur à la pêche puis le fret à la chasse, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Puis, Kéliane, tu sais, t'as été longtemps mon bébé. Tu sais, mon petit bébé ambassadrice, t'étais ma plus jeune. Écoute, t'as rendu à quel âge, là? 24. C'était mon bébé. J'ai toujours trouvé que tu avais une maturité exemplaire. Sérieusement, là, l'année passée, j'avais fait un méchant. Wow! J'avais tombé en amour bien avec le. Marie-Agile. Sa fille-là. Hein?
C'était gelé, mais c'est correct. J'ai rien compris, mais c'est tellement ton discours. Ah, j'aime ça gelé. Écoute, j'ai tellement chaud que je t'en couche. Il fait 23 degrés dans ma pièce. Mm. C'est fou. Oh. Je sais pas comment ce qu'il fait au Québec, là, mais bon. Fait que c'est ça. Puis, je vais te dire, Kéliane, toi, la Poule des Bois, depuis que tu es ambassadrice, qu'est-ce que ça t'a donné de plus? Parce que, tu sais, il y en a qui nous demandent des renseignements pour devenir ambassadrice, tout ça, mais toi, qu'est-ce que ça t'a donné de plus d'être ambassadrice pour nous? Ben honnêtement, c'est fou à quel point que... Eh boy! Moi, ces petites questions rapides là. C'est pas mon fort, mais ça m'a apporté une confiance fou, je te dirais, envers tout simplement moi-même, envers tous les sports, la chasse, la pêche. Ça m'a permis aussi de... Pas la honte, mais la gêne que j'ai en dedans de moi. Là, à cette heure, je l'ai comme pas. Je m'assume, puis je me dis que si moi, je m'assume, puis je me dégêne avec des questions, comme on dit, des fois niaiseuses ou des événements, ben à cette heure, ben je suis contente d'avoir eu le gosse de le faire parce que ça dégêne certaines personnes. Puis de pouvoir être là pour des centaines de femmes pour pouvoir répondre à leurs questions ou tout simplement les soutenir, les encourager, être présente pour elles. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis mettons que je regrette pas mon move, puis je veux jamais partir de cette petite famille-là pour vrai. Là. Je tombe en amour, puis vous êtes toutes mes sœurs de mon quotidien. C'est mon bébé. Je peux pas coucher, mais bon, c'est pareil. J'ai brisé ta coquille. Marie, on a une autre ambassadrice ce soir, oui. Hein? Oui. Juste une parenthèse. Kéliane, aujourd'hui, me demandait si on avait l'intention de faire une formation avec un formateur spécialisé en cale d'orignal, tout ça, pour nous rendre plus à l'aise. Je vais vous montrer mes talents, OK? Juste pour vous dire, les filles, qu'on n'est pas parfaites. C'est beau, ça. Faut que tu dises. J'ai encore beaucoup de pratique et c'est quand je suis dans le bois, j'en profite. Et tu vas l'amener la semaine prochaine, hein? Yes! Je me dis au pire, la personne qui va... Oui, Sandra, es-tu proche de toi? Faudrait que je dise que j'en veux un. Hey, oui, en passant, les filles, c'est Sandra Fortin, c'est elle qui... On a une ambassadrice. D'ailleurs, elle a récolté un bouc énorme. Il est beau, hein? Comme ton doré, Marie, comme ton doré. Oui, 55 pouces de doré. C'est gros en tabarnache! Non, c'est ça, c'est Sandra qui m'a fait ça, puis sérieusement, le son, il sort super bien, à part que moi, je suis vraiment encore pas super bonne dans le corps, là, mais c'est vraiment plaisant, je vais me faire des trous pour me le faire tenir sur le chest, mais merci Sandra, merci beaucoup. Je pense, Sandra, si vous en voulez, elle prend des commandes. Je sais pas s'il en reste beaucoup, puis toi, Karine, je vais monter ton call aussi. Fait que oui, on va regarder Kéliane pour peut-être avoir une formation de call avec un spécialiste. Je ne sais pas s'il existe une spécialiste, ça serait le fun, mais s'ils en avaient ici, là, pour en commentaire, me le dire, me l'écrire. C'est ça qui sont intéressés à faire des cours de corps, là, faites-nous des thumbs up et des cœurs, parce qu'on va voir là, la réponse pour ça. Ouais. On serait rendu. Merci à beaucoup. À tantôt, Kéliane. À tantôt. Merci beaucoup, à plus tard. Alors, on serait rendu à présenter Josée Morin, notre poule de vraiment du Nord. C'est notre plus au Nord. Elle vient de loin, là. Solidement. On est contente de l'avoir. Oui, puis on est contente que le réseau soit bon, là. Si c'est assez à gel, c'est vraiment parce que... C'est pas tant. Allô, Josée? Fais-tu tempête chez vous? Y a-t-il la neige? Allô? Ah, tu vas être déjà figé. Non, pas encore, mais moi aussi, je suis allée mettre mon petit kit de pause. Oui! Bon. Ça marche-tu? Oui. Oui. Josée! Ça marche-tu, là, ou tu n'y es-tu là? On est là? Non, je suis là. OK, bon, OK. On est là. Josée, j'ai vu que tu faisais beaucoup de chasse, beaucoup de sports d'hiver, beaucoup. J'ai vu que tu faisais du ski. Écoute, tu fais n'importe quoi sans neige. Puis, tu fais tout, à peu près toutes les chasses aussi. Je vous ai perdu. Oh non, on nous a perdu. Mais tu es encore là, par exemple. Okay. Est-ce que tu nous entends? Oui. OK. Donc, parle-nous un peu de tes activités que tu aimes faire, Josée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire dans le bois? Puis, qu'est-ce que Poule des Bois t'apporte à toi? Puis, qu'est-ce que tu aimes faire comme transfert aux autres membres de la gang?
dans le poulailler? Ben, moi, en fait, ce que j'aime le plus, c'est que je suis une pêcheuse de première ligne, mais sinon, j'aime beaucoup le petit gibier. Surtout, cette année, j'étais allée à l'Orignal. Comme Kéliane, on n'a malheureusement pas récolté, mais qui sait, peut-être l'année prochaine. On va espérer fort. C'est ça, les belles poules. C'est ta première expérience d'Orignal! Comme vraie chasseuse, oui, c'était ma première expérience. Quand tu veux dire vraie chasseuse, c'est que normalement tu accompagnes? Oui. OK. Puis t'as-tu aimé accompagnatrice ça? Non tireuse. Puis là, j'avais mon arme avec moi. Puis je faisais partie intégrale. Tu faisais partie de la gang. Oui. T'es full in. Ça, c'est Comment tu t'es sentie, José, quand tu étais vraiment membre à part entière maintenant de l'équipe de chasse? Avant, tu étais l'observatrice. Puis là, ben là, t'es armée, là, tu peux récolter, là. Comment tu t'es sentie quand t'es allée là, la première journée, là, t'as-tu te sentir un peu fière, là? Ben, moi, j'étais vraiment fière, puis les premiers, on s'est fait jouer un tour un peu, dans le bois, là, les premiers calls qu'on a donnés, on a eu l'impression de se faire répondre, puis tout ça, puis mon chum, il a comme vraiment ri de moi, parce que je suis venue comme rouge comme une tomate, là, je fais comme... Mais, tu sais, finalement, c'était pas ça. Fait que, on a eu une presque aventure. Quand tu dis c'était pas ça, c'était quoi? C'était l'équipe à côté qui parlait? Non, on était vraiment seul au monde, mais ce que mon chien pense, c'est que c'était un peu le cri d'une grue du Canada. Ah ouais, hein? T'as collé. Ouais, au loin avec l'écho et tout, là, c'était comme vraiment. Ça donnait l'impression. C'est quelle grue, une grue du Canada? Est-ce qu'elle va nous faire ça? Non. Google. Ah oui, s'il te plaît. Bon, vous checkez ça, les filles. OK, tu nous le reproduiras, s'il te plaît. Ben, mon téléphone va le faire. Mais c'est ça, avec toi, tu as décidé de te lancer cette année. Pourquoi à l'Orignal? Parce que tu étais rendue prête, tu te sentais plus à l'aise, tu voyais qu'il y avait de plus en plus de femmes dans ton entourage qui le faisaient. Tu te dis, là, c'est assez, c'est moi qui y vais, puis je fais pas juste la vaisselle. Ben, c'est l'engouement du... L'effervescence aussi, là, oui, c'est vrai que le groupe Poule des Bois, ça m'a beaucoup apporté aussi en indépendance, côté pêche, côté chasse. Avant, j'allais pas au petit gibier tout seul. Maintenant, j'y vais tout seul avec mes enfants ou j'invite quelqu'un à venir avec moi qui est pas habitué. T'as des belles poules blanches, toi, chez vous. Oui. J'en ai plein. C'est un Est-ce que vous l'entendez? Ben oui. C'est un hamster. C'est la grue du Canada. So we have a sandhill crane. Ça, c'est le gars du Canada. C'est le gars qui chauffe la grue. C'est le gruyère du Canada. Un bon fromage, le gruyère. Ça pue. Toujours important d'avoir une bonne hygiène. C'est ça, ça lave. Faut pas sentir la patoune dans le bois. Bon, Marie? Oui. On fait-tu un concours ce soir? Merci, oui. José. Hey! J'aurais le goût de faire tirer des foulards. Parce que cette semaine, j'ai mis une photo de ma fille à Dominipoul avec une tuque sans tête. Puis là, les filles voulaient chercher la tuque pour acheter, mais c'était un foulard. Oui. Donc, je ferais tirer. Écoute, on est combien, là, présentement? Regardez le live. On est 40. 40. Bon, on va faire tirer trois foulards. Puis je vais rajouter une coupe de stickers. Puis dans le fond, les poules, là, c'est un foulard là, que vous mettez comme ça, comme une. Tu sais, hein? J'ai besoin de vous le dire. Vous faites un demi-tour, puis vous rabattez le tout. Comme ça. Facile de même. Avec élégance. Ça vous fait un lifting de paupières gratis en plus. Checkez ça. Non, mais tu sais, mets-moi des anneaux en rond. Hey, on sait pas, ça coûte là. Oh, t'as fait. Mettez-moi des anneaux ronds, puis on a de l'air des années 69. Non, Marie, je devrais mettre mes cheveux frisés avec ça. Vous, ça serait parfait. Avec des grosses lunettes. T'es pas game. Je ressemble à Gertrude la grenouille. Marie, je le fais à la chasse. Ben oui, puis gars, ça fait une belle tuque de printemps. Puis quand il fait trop chaud, ben tu te vires en foulard. Puis quand tu t'entraînes dans un gym, ben tu l'utilises comme max. Ben, c'est vraiment pratique. T'sais, tu peux faire ce que tu veux. Fait que je vais faire tirer trois foulards parmi les gens qui ont aimé, partagé puis commenté le live.
On va faire tirer ça demain. Je vais annoncer les gagnantes jeudi. Pourquoi? C'est qu'on attend que demain, on donne la chance un peu au monde qui la voit parce qu'il y en a qui travaillent et tout ça. Puis demain, mon infographiste a fait le tirage, le genre de machin qui fait ça par mes noms. Puis nous, on va contacter les gagnants par privé comme on fait à chaque fois qu'on va les annoncer. Oui, il y en a qui veulent gagner ça. Il y a Brigitte Harvey qui a gagné, je pense, la semaine passée, la semaine avant. Caroline Tremblay aussi. J'en vois une couple là, des fidèles. Oh! Ton B, il est là, Marie! Salut, Marie! Elle vient où de la fille du Nord? Elle vient de Matagami! Salut, B! B, oh. Il est en train de s'entraîner, les muscles. Il est bien mignon. C'est un petit poulet de grain. Oh! Salut, B! En parlant de grain, ça n'a même pas rapport. Mais... Vas-y. Chaud. Le rôti de bœuf. C'est bien qu'on entend faire ça, mais on était au défi. Alors, et voilà. Les sous-couches, Marie. Ouais. On arrive, là, c'est l'automne, l'hiver. Il y en a plusieurs, là, les filles. Dites-nous ce que vous pratiquez, la randonnée, la motoneige. Le ski de fond, la pêche blanche. Moi, je sais que le coq fait un bain de la motoneige, mais c'est un coq de sport. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup la sous-couche pour la pêche blanche, surtout. J'utilise trois couches. Fait que j'ai la sous-couche, j'ai la deuxième, puis j'ai mon bas de soupe. S'il fait, parce que sur le fjord, je vais pêcher sur le fjord, puis moi, je suis souvent dehors d'attendre. Des fois, il fait moins 35 avec des rafales de 55 km/h. C'est le fun d'avoir plusieurs couches. Puis quand tu rentres dedans, t'en enlèves. Ouais. Même chose, si je jog l'hiver, je fais à moins 34, tu dors, pareil. J'ai mon LIFA, j'ai mon Hypnose et Dry, ou j'ai le Rafale, parce que quand il fait moins 30, il fait moins 30. Fait que je suis comme une momie. Présentement, j'ai le Hansfield de Canadian Tower. Je l'ai acheté l'année passée. Il fait super bien avec le Audi Camo. En passant, ouais. Là. Vraiment, là. Regardez. Puis tu sais, il fait super bien, sérieusement. Moi, je l'adore. Il est un peu chaud. Fait que c'est plus automne quand il fait froid. Sinon, début automne, j'ai mon camo strata hypnose. C'est dry, hein, Karine? Ouais. Ouais. Moi, c'est celui-là que j'ai, les dry en ce moment aussi, mais noir. Puis, quand j'avais été sur au Saguenay avec toi à pêche à la glace, puis pas mal tous les sports, là, celui-là, je l'aime beaucoup parce que, justement, tu sais, c'est une sous-couche, puis j'ai un autre chandail par-dessus, puis j'ai toute ma combinaison FXR. Mais c'est important, les filles, regardez les tissus parce que, oui, les tissus synthétiques sèchent rapidement, mais l'odeur reste. Puis ce qui est bien de nos combines, la hypnose, la Alienson, je n'ai pas une prononciation incroyable, mais c'est qu'il y a de la laine de mérino, donc il sèche un peu moins rapidement quand tu le laves, mais l'odeur, elle reste pas. Ben moi, j'ai le LIFA Alienson rouge, là. Ça, je l'ai acheté il y a 2 ans. Il est semi-transparent. C'est pour ça que je n'ai pas fait un show de ça, parce qu'on voit la craque de fesses solide, là. Mm. Mais je l'adore, parce qu'il respire vraiment bien. Puis je le mets avec une laine de mérino aussi par-dessus. Ouais. Au Costco, à chaque année, il en sort. Moi, je n'achète deux paires de chaque. Ouais. Pourquoi? C'est que j'aime avoir plusieurs sortes de sous-couches. Puis écoute... Des fois, ouais. On part 3-4 jours, on ne peut pas laver notre linge. Tu sais, je les échange et tout ça. Là. Fait que ça fait super bien. Puis, la sueur, là, j'ai une affaire. La sueur, elle sort de ton chandail. Tu ne restes pas mouillé, humide. C'est ça qui est bien aussi. Tu sais, en motoneige, là, la série Rafale, je pense, Josée, c'est ça que tu as, toi, la série Rafale. C'est ça? Je suis pas sûre. Es-tu en boubou? Es-tu en moumou en dedans? Non, comme Karine. Elle est mince, mince. La Rafale, je l'ai. Moi, c'est mince, là, confortable. Moi, c'est très mince, là. Ah, toi, c'est parce que c'est le gars? Ouais, c'est celle-là pour homme.
Ah, oh, mais le rafale, il ressemble à ça, mais il est en doudou, là. Motoneige, là. Je vous le dis, ceux qui font de la motoneige, la hypnose. Pour vrai, là. Top notch. Ben, enfin, moi, j'ai commandé plein de choses d'hypnose pour cet automne. Ils ont eu plein de nouveautés, là. Ils ont eu des retards à cause des bateaux cette année. C'est plus dur, c'est plus long d'avoir le stock en jour. On a commandé du stock via directement notre représentant. Là. J'ai hâte qu'on le reçoive pour l'essayer. Il y a des nouveaux camos, il y a des gants, il y a plein d'affaires maintenant. Là. Mm. J'ai hâte d'essayer ça. Mais il y en a pour tous les prix, toutes les gammes. Puis moi, j'ai des produits québécois. Oui, puis j'ai Connect Outdoors aussi. J'ai plein de ça. Dans le fond, j'ai bien trop de sous-couches pour juste un quart. Mais j'aime beaucoup essayer. Mais mes préférés, quand je bouge beaucoup, c'est le Hip Dry. Parce que je sais que je vais rester au sec. Je suis allée aussi à la chasse. Ouais, c'est lui que tu as. Je suis allée à la chasse aussi ce printemps au Dindon. C'était mouilleux, c'était frais, c'était humide. Fait que j'avais ça. J'étais avec toi. C'est vrai, on est allé à l'ouest. On a fait le photoshoot dans le champ. Ouais, on a fait sécher la dinde. Ben non, le fait de sécher, était mouillé, pauvre la dingue. On a fait une mise en pli, c'était de toute beauté. Même moi aussi, je suis allée me sécher. Fait qu'on a fait sécher deux dindes. Karine, en parlant de sous-couches, c'est qui donne chaud, des fois, on veut boire une bière pour se rafraîchir. T'as-tu des nœuds, notre bière? Oui. Donc, on vous a... Merci à Vincent de la Force du Mal qui travaille fort aussi, nous a aidé à faire notre carte Google Maps qu'on va mettre en ligne demain matin. Je vais vous faire ça demain matin. Puis, donc, on est distribué là quasiment partout au Québec. Les filles, on travaille fort en petit pain chaud pour vous autres. On travaille fort. Dans l'Outaouais, on n'a nulle part. C'est pas parce qu'on n'essaie pas, c'est parce qu'ils veulent pas. C'est parce que vous pouvez comprendre qu'il y a une abondance de bières sur le marché. Ils sont à chaque jour bombardés de bières. Fait que, tu sais, si, tu sais, pour eux autres, ils savent pas c'est quoi Poule des Bois la plupart du temps. Mais si vous voulez leur demander, puis ça fait 4-5 fois dans la même journée qu'ils se font dire la bière, ils vont dire, ben là, maintenant, je vais m'en commander. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui connaisse le fait Poule des Bois. Fait que, tu sais, ils savent pas nécessairement c'est une bière qui va sortir. Mais, tu sais, nous autres, à la date, les points de vente qu'ils n'ont eu, c'était sold out, là. Ils ont pas parti. On avait tous vendu la bière de la première brassée, mais elle s'est pas rendue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas pourquoi. On espère 8 points de vente. Je vous dis rapidement les points de vente. Oui. T'es-tu gagné? Un peu partout. Ville-Marie, Bonnichois, Neveu. Les filles de Ville-Marie, faites-nous des cœurs, des likes quand je dis votre ville. Je vais vous nommer quelques points de vente par ville là, rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 4 minutes. Fait que Ville-Marie, Bonnichois, Neveu, 12 principales. Prenez vos crayons. Rouyn-Noranda, IGA Marché, Famille Julien, 105 Avenue Sénateur. Val-d'Or, IGA Extra Affilié, 1801 3e Avenue Ouest. Pressac, Manoir Rapide, Pressac, 912 Avenue du Lac. Amos, Pétrole, Alcacina, elle n'est pas là, c'est Backorder. Ouais, c'est ça, c'est déjà Backorder. Mont-Laurier, Dépanneur Lacelle, 409 rue Charles. J'ai Nadine Girard, la poule du Nord de Mont-Laurier. Elle a checké les trois magasins, Lacelle, à Mont-Laurier, avant hier, puis elle n'avait pas reçu encore. Bon, mais ben, eux sont supposés d'en avoir, fait que ouais. Il y a eux. Sinon, le Chacabière, Saint-Sauveur, 9 Avenue Lanning, local 101. Terrebonne, les filles, y a-tu des filles de Terrebonne? Petite Frette, Terrebonne, 1695 Chemin Gascon. Montréal, Petite Frette, Brossard. Victoriaville, Provigo Victoriaville, 1111 Boulevard Jutras. Trois-Rivières, on a la Forge du Malte, où est-ce que notre bière est brassée. Ouais. Winigan, le Chacabière aussi. Québec, on a plusieurs points de vente pour Québec, pour la bière étonnamment. On a la boîte à bière, on a Marché puis 12. Dépanneur Arsenault à Tistonam qui devrait la recevoir aussi. Beauce, on a la boucherie JM Montbeuf.
Quand tu dis Beauce, c'est où ça? C'est Saint-Georges-de-Beauce ou Sainte-Marie-de-Beauce? Sainte-Marie-de-Beauce. Ah, ça veut dire Vanessa Brousseau, notre ambassadrice, on pourrait chercher ta bière. Au 1000 boulevard Vachon Nord. Montmagny, IGA Extra. Saint-Anne-de-Beaupré, IGA Extra, Boucherie Chouinard. La Pocatière, Marché du Quartier. Saint-Anne-des-Monts, il y en a, je pense. Hein? C'est Nancy Senneville, elle dit Saint-Anne-des-Monts. Il me semble qu'on n'a pas vu ça dans la liste. Matane. Saint-Anne-des-Monts, c'est où dans le Québec, ça? Au lac, Marie a dit qu'elle n'est pas encore arrivée, mais il y a IGA Extra à Alma. Oui, Brou. Dépanneur Métabetchouane à Métabetchouane. Métro Boutin Saint-Félicien. Métro Boutin Dolbeau-Mistassini. Matane, Carleton-sur-Mer, Richelieu-Saint-Laurent, Nouvelle. Jessica est allée, ils l'ont reçue. On se posait d'avoir 8 caisses, eux autres, parce que Gaspésien, ils bouaient à terre. Kaplan, dépanneur, SL Inc. Hey, je me sens comme dans les ventes, tu sais, le dimanche matin, fatigante net. Vous allez là, sur l'accélérateur, s'il vous plaît. Ben, c'est ça, on a fait le tour. Sept-Îles, Tabagie, Gamache. Et voilà le tour du Québec. Les filles, j'espère que vous avez été assez vite. Port-Neuf. Les filles, je vais pas toutes les nommer. Il y en a à plusieurs. On va mettre la carte demain, on va la mettre sur le site Poule des Bois, puis je vais essayer de vous la partager aussi sur la page Poule des Bois. Donc, puis là, on en a une autre brossée, Marie, qui s'en vient. On va essayer de viser là, les villes qui n'en ont pas eu. C'est ça, comme Lévis, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est supposé en avoir au Provigo, boulevard Talbot. On est supposé en avoir à l'accommodation des 21, qui est un de nos points de vente de vente de Poule des Bois. Brou et compagnie aussi au centre-ville d'Alma. Il me reste Robert Val à trouver un point de vente. Puis des biens, on est supposé avoir au marché Bolduc qui vend nos produits aussi. C'est, on est tous en Il y a une madame qui voulait savoir Matane. Matane, c'est au IGA. Je ne sais pas si c'est plusieurs IGA, mais c'est IGA. J'avais vu Joliette aussi dans notre liste, Sarah Verne. Joliette, j'ai vu une distribution qui va être là. On va tout faire la carte pour demain. Ouais. C'est parce que c'est très compliqué avec Google. Il faut tout rentrer les points de vente avec les adresses pour que ça marche. Oui. Puis dans l'Outaouais, les filles, il faut vraiment aller faire de la pression. J'ai deux points de vente, Marie. Outaouais, c'est pas Gatineau, centre-ville, les filles, c'est Notre-Dame-du-Lot. Il va falloir sortir un petit peu. Là. Gatineau, c'est très difficile. J'ai contacté tout le monde un par un. Avec leur sourire. Bonichois, Lens-Saint-Jean aussi, ils sont supposés avoir 5 caisses. Ils n'ont pas reçu la semaine passée encore, mais Bonichois, en Saint-Jean. C'est l'épicerie quand on passe dans le milieu du village pour aller plus loin, là, Saguenay, tout ça, là, on passe devant. Là. Mm. Très stratégique comme coin de vente parce qu'on on dit qu'on va à Pêche-Blanche hiver là beaucoup, puis on arrête à cette place-là pour faire le plein de bouffe. Notre-Dame-du-Lot, celui qu'on aimerait, c'est le nouveau dépanneur, là, anciennement, la petite épicerie fine, là, le monde, c'est parce qu'il me demande à Notre-Dame-du-Lot où, là? C'est pas au Bonichois, c'est... j'ai oublié le nom du dépanneur. Le monsieur me l'a dit 20 fois. Chez Roger? Non, peut-être. Mais... Attendez. Fait que les filles, merci pour le beau live. Mélanie Franqueur confirme qu'il en reste encore au GIA Val-d'Or. Val-d'Or, je pense qu'il y en a... L'atelier du village. L'atelier du village, Notre-Dame-du-Lot, l'atelier du village, on va essayer de la faire rentrer là. Le monsieur est intéressé. Il y a une petite charcuterie en dedans, il y a un magasin, tout ça. Eux, ils sont intéressés à voir les produits poules, puis ils veulent avoir la bière poule. Donc, c'est là qu'on va essayer de le rentrer pour l'Outaouais. OK. Avec les poules, continuez à nous écrire les places que vous avez vues, la bière, puis qu'on n'aurait pas vu. Parce que vous savez, c'est pas nous qui distribuons la bière, c'est vraiment un distributeur spécialisé là-dedans. Donc, nous, on n'a pas vraiment de force et de pouvoir là-dedans. On leur a dit un peu, mais ça appartient à fou. Fait qu'un. Puis ça, eux autres, ils livrent selon un horaire précis, un historique précis. Fait que des fois, il y a des places, ils livrent qu'une fois par mois. Fait que stratégiquement, ils ont peut-être dit, ben là, la livraison était faite. Fait que dans un mois, on ne livrera pas avant. Fait qu'on prend de la bière qui attend, qui est stagnante, puis on va livrer ailleurs en attendant qu'on livre à toutes les semaines ou aux deux semaines. Fait que c'est pour ça qu'il y a des places qu'on les a pas tout de suite. Mais nous autres, on va travailler beaucoup. Coin de Sherbrooke, je pense qu'on en a dans Aquaticook pas loin. J'avais vu sa liste. On va mettre la liste demain.
Puis pour les autres, les filles, on vous tient au courant. Merci pour le beau live. Élie de Coureur des Bois, Gatineau, ça fait deux fois qu'il suit nos lives. Salut. Oui, en merci plus, beaucoup. Oui, c'est un nouveau point de vente. Hey, Élie, ça ne te tente pas de vendre de la bière? Non, j'en ai parlé, ça prend de la bière. Ah, t'as pas un ami qui est dépanneur? Merci, les filles. C'est donc un chum d'un dépanneur, là. Ou une épicerie, là, c'est peut-être. Bye! On fait le tirage. Faites-nous une bonne lancée de j'aime puis de cœur puis ça, parce que Caroline Tremblay, elle a gagné la dernière fois, puis elle a sélectionné des filles qu'elle puisse partager puis commenter. Je pense qu'elle a un incident là-dessus. Brigitte Harvey aussi. Merci beaucoup, les filles, de nous avoir suivis tout le long, Kéliane puis José. Puis merci beaucoup d'être parmi nous. Puis j'ai hâte de vous voir. Là. On va se faire un party de midi, non, pas long. Je vais amener de la bière. Puis notre prochain live, moi et Marie, on va peut-être être ébouriffés. C'est mardi le 26 octobre. On revient de la chasse le 25 octobre. Ouais. On va, hein? Merde! Ça va être malade. Fait que les filles, bonne soirée. Merci. Salut les pots, salut les copes. Bye! Bye! Bye.